Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Si je vous dis NFS. Ah non, tu commences à nous casser les tutes avec ton NFS. Non, je vais... C'est juste pour évoquer le fait que NFS dans le monde Unix Linux est souvent et beaucoup utilisé. Par exemple, je vais prendre KVM Virt Manager. Ensuite, je prendrai KVM Proxmox. Mais allez, on commence avec le combo KVM Virt Manager. Alors, Virt Manager, double-clic, onglet stockage, plus, pourquoi plus, on va créer un pool de stockage NFS. Nom NFS, type, bien NFS, chemin de la cible, parcourir, NFS virtualisation, libvirt, format auto, nom de l'hôte, adresse IP du serveur, chemin de la source, slash home, slash any, slash partage, tiret NFS, slash virtualisation, slash libvirt. Normalement, je suis bon. Terminé. Oui, splendide. Alors, à partir de là, eh bien, regardez, je vais pouvoir directement créer une machine virtuelle, la stocker et l'utiliser à partir de mon pool de stockage NFS. Suivant. Choisir un média IsoRed, je vais prendre une Debian 10.9.0 architecture 64 net install, choisir, regardez, Debian 10 c'est bon, suivant, mémoire 1024 CPU 1 c'est suffisant, suivant, regardez, sélectionner ou créer un stockage personnalisé, gérer NFS plus Debian 10, oui, pourquoi pas. Du QKO2, oui. Magasin de sauvegarde, on s'en fout. Capacité 20 gigas, terminé. Là, il crée le disque virtuel au format QKO2 sur le stockage de type NFS. La preuve. NFS, virtualisation, libvirt, voilà. Et si je me rends, je vais carrément me rendre sur le serveur SSH, ANI, arrobase 192.168.2.232, mot de passe du seigneur qui va hyper bien. Je fais ls, cd, partage, tiret, NFS, LS, regardez, on va rentrer dedans, virtualisation, libvirt, voilà, j'ai bien mon QKO2, Debian 10, ok. Alors, choisir le volume, suivant, on laisse Debian 10, le réseau laisse comme ça, on laisse, peut-être faire ça, terminé, voilà, alors, hop. Hop, hop. Pour que ça booste, peut-être, on va peut-être faire ça. Mémoire, je vais peut-être mettre ceci. Option de démarrage, quoi. C'est bon quand même, ouais. Option de démarrage, hop. Appliquer. Alors, version disque, c'est bon, écoutez, tout est bon, allez, boum. Oh, c'est magique,
c'est magique. Allez, on va faire ça. Install et regardez. Hein. On va faire. Non, c'est pas gay. Htop, c'est pas gay. On va faire nmode. On va faire CPU disk. Voilà. Donc là, je suis sur le serveur. Et soyons fous. Français, Belgique, Belge. Debian, domaine. Mot de passe du super utilisateur. Alors, on va faire. Ok. Ok. Nom complet. Ok. Identifiant. Voilà. Voilà. Ok. Et voilà, c'est parti. Regardez comme le, comme on voit le, les activités au niveau du, de la lecture écriture sur le RAID du serveur NFS. C'est cool, hein? Et alors, on voit pas encore tout. Voilà. Et alors, c'est avec ce genre de stockage, par exemple, de type NFS, que l'on peut procéder à de la migration de VM, donc au travers Virt Manager KVM. Ok ? Je ne vais pas aller jusqu'au bout, quoique si. Allez, on va aller jusqu'au bout pour vous montrer que, bah, que tout fonctionne. Installation terminée. Alors, chez moi, ça a été lent, tout simplement parce que au niveau du réseau, c'est pas optimisé. Oui, j'ai bien des gros switch HP Pro Curve, hein, des 1800-24G. Mais le problème, c'est que mon serveur et mon client ne passent pas par ces HP Pro Curve, mais passent par un petit switch, certes gigabit, mais un petit switch bas de gamme. Et à mon avis, voilà, il y a de la saturation réseau qui se fait. Mais bon, c'est pas grave. Pour le principe, vous avez vu, ça fonctionne. Voilà. Et voilà. Splendide, hein? Alors, nous allons forcer l'extinction. Oui. Ouais. On ferme. Nous allons supprimer, c'était juste pour le fun. Voilà, il va se rendre donc sur le serveur donc NFS et supprimer donc sur le pool de stockage NFS et supprimer donc le disque QKO2 de Debian 10. Supprimer, oui, voilà. Et si on passait à Proxmox, alors pour Proxmox, comment fait-on? Nous allons nous rendre dans Data Center, Stockage, Ajouter, regardez, NFS, l'ID, bah, soit un numéro ou un nom, NFS tout simplement, Serveur, l'adresse IP, 192.168.2.232, et là, il va nous récupérer l'export, voilà, /home/ani/partage-NFS. Je vais sélectionner le contenu. Voilà, image disque. Et voilà, ici, on travaille avec la racine. Ok, tout va venir se placer à la racine du disque. Mais heureusement, vu que j'ai sélectionné contenu image disque, un répertoire va être créé au nom de image. Si en plus, je sélectionne, je sais pas moi, VZ dump,
un fichier de sauvegarde, eh bien, il y aura un répertoire de créer, donc pour fichier de sauvegarde vzdump. Si en plus je sélectionne image ISO, il y aura un répertoire créé pour image ISO. Ok, donc il y a quand même des répertoires de créer, mais à la racine, d'accord. Ajouter, on a notre NFS ici, et regardez, NFS PVE VM Disk. Voilà. Et là, c'est la même chose. On va pouvoir créer, donc créer une machine virtuelle et l'utiliser à partir du stockage NFS. Regardez bien. Créer machine virtuelle. Nom, on va l'appeler test. Hein. Suivant. Alors, je vais récupérer une image ISO. On va faire même chose. Hein. Non, allez. Je sais pas moi. Allez, une Ubuntu 20.04.2 desktop. Ok. Suivant. Carte graphique, on laisse comme ça. Suivant. Ici, on va utiliser version. Pardon, virt.io bloc. On va placer ça sur. Voilà, le NFS. Ici, je vais utiliser comme cache whiteback. Discard. Ok, on est bon. CPU, on va mettre. 2 suivant RAM 2 gigas, c'est bon. Attendez, je regarde quelque chose au niveau de l'OS. Non, système commu. Voilà, mémoire, c'est bon. Réseau, c'est bon. Suivant, terminé. On peut voir que ça travaille. Hein. Ok. C'est un peu plus lent puisque ça travaille avec le stockage NFS. Regardez, la VM n'est pas encore créée, mais elle va l'être. Voilà, elle est créée. Et à partir de là, je peux démarrer. Donc la machine virtuelle, démarrer. Console. Voilà. Directement français, installer Ubuntu, entrée clavier belge, continuer, installation normale, on va pas télécharger les mises à jour, continuer, installer maintenant, continuer. Votre nom, blablateur, on laisse comme ça, BBL, blabla, ouvrir les sessions automatiquement, hop, continuer, et on laisse faire. Installation. Terminé. Alors, petite précision quand même. Ce que je fais là, ça se fait au travers d'un pool de stockage NFS. Donc, quand je dis ça se fait, quoi ? Eh bien, la création et l'utilisation d'une VM au travers donc, d'un pool de stockage NFS, ça se fait. Moi, bien entendu, chez moi, ce n'est pas optimisé pour. Si l'utilisation donc de mon pool de stockage NFS pour stocker, donc venir déposer des fichiers, venir reprendre des fichiers, donc copier, coller, ça fonctionne très bien. Ok, par contre, l'utilisation du pool de stockage pour la création et l'utilisation de VM, voilà, c'est pas optimisé pour. Mais ça se fait, ok, ça se fait. Donc, regardez bien ce qu'on va faire, on va redémarrer maintenant. On éjecte le média d'installation.
Voilà, passé, suivant, suivant, suivant. Terminé. Et bien voilà. Donc là, notre VM Proxmox fonctionne grâce au périphérique, aux pools de stockage de type NFS. Ça veut dire que le disque virtuel donc de cette VM sous Proxmox se trouve sur un pool de stockage de type NFS. Et vous allez voir que ça fonctionne quand même pas mal, malgré, je le répète, que chez moi, c'est pas optimisé pour faire ce que je fais là. Ok, regardez, LibreOffice Writer. Voilà, donc pas mal du tout, hein. Allez, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao.